Je vous embrasse très fort. Restons dans la paix. Que la paix règne dans la team PDGIS. Ce que je vais vous dire, je ne vous oblige pas à rester dans la team. Mais si vous voulez partir, ne sémez pas le trouble. Ne mettez pas la merde. Vous savez, quand on est dans un groupe, c'est comme une secte. Quand tu pars, tu ne trahis pas ton ami, ton... Comment on va dire ça, ton... C'est comme une secte, en fait. Quand tu t'en vas, tu ne trahis pas ceux qui sont restés. Tu t'en vas et tu fermes la bouche. Oui. Donc, pour ceux qui ne font plus partie de la team, partez doucement. Je ne veux plus les lives des insultes sur la team des abeilles, sur le mur des abeilles. Il faut que ça s'arrête. On est là pour un seul combat. Défendre Fleur de Lys. Défendre la reine-mère. Le reste n'est pas important. Si quelqu'un, j'ai toujours dit, c'est pas parce que vous êtes dans une même team que vous devez être amis. Non, vous n'êtes pas obligé d'être amis. Vous combattez pour une seule cause, Fleur de Lys. Mais vous n'êtes pas obligé d'être amis. Vous n'êtes pas obligé d'être amis. Ça veut dire que quelqu'un t'énerve dans la team. Même si l'abeille comme toi, tu bloques l'autre abeille. Tu bloques cette abeille avec qui tu ne t'entends pas. Mais tu ne balances pas les énormités sur cette abeille. Moi, je vais vous dire, vous, dans la team PDGIS, je n'ai pas peur de vous. Je suis prête psychologiquement depuis longtemps. Parce que je sais que vous pouvez vous retourner contre moi du jour au lendemain. S'il vous plaît, de grâce. Pendant qu'il est encore temps, j'aimerais vous dire, calmez-vous, que la paix règne. Je vous envoie l'arbre de paix, je vous envoie le Ndjindji, quel que soit ce que ton ami a fait. Vous savez, il y a des traîtres partout. Il y a des personnes qui aiment trop entrer dans les inbox. Évitez ces genres de personnes. Certaines personnes aiment entrer dans les inbox, savoir dans la vie des gens, se passer pour des personnes malheureuses afin d'en tirer des informations sur des gens. Évitez ces personnes. Une personne qui vous pose trop de questions, c'est quelqu'un qu'il faut se méfier. Vous ne devez pas accepter que quelqu'un vous pose trop de questions. Faites attention à vous. Je vous aime pareil. Je vous aime de la même façon. Que ce soit des faux profils que je connais, que j'ai déjà rencontrés, que ce soit des personnes même qui sont proches de moi que je ne connais pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont proches de moi, il y a beaucoup qui ne sont même pas proches de moi, mais qui me voient, ils ne peuvent pas se confier. Un vrai faux profil, c'est comme Claude Akam. Claude Akam a les voices, je lui laisse souvent les voices. Quand je ne veux pas écrire, je laisse les voices. Mais je n'ai jamais entendu ça nulle part. Est-ce que vous comprenez? Un faux profil, c'est celui qui ne trahit pas. Un faux profil, c'est cette personne-là qui ne trahit pas. Je laisse les voices à Claude Akam. Je lui dis, écoute, il y a telle chose comme ça, machin. Ou bien lui aussi, il me laisse les trucs. Mais même si demain, c'est un exemple, même s'il n'est plus dans la team, je ne viendrai jamais dire c'est telle personne. Parce qu'on ne trahit pas. Quel que soit, vous pouvez vous faire toute la guerre que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de doigter une personne que telle personne, c'est elle. Non. Parce que vous n'êtes pas sûr. Il y a plein là que j'ai déjà rencontrés qui me disent même leur faux profil. Et je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Il y a beaucoup de gens que je rencontre qui me disent, c'est moi le faux profil tel. La dernière fois, j'ai une amie, elle m'a dit son faux profil, c'était en Belgique. Elle était en train de me coiffer. Elle me coiffait, mais quand un moment, elle a... Vous savez, quand tu déconnectes ton téléphone, je ne sais pas ce qu'elle voulait faire sur son téléphone. Bon, par curiosité, j'ai vu, elle a cliqué, j'ai vu le nom d'un faux profil sur son téléphone. Mais je ne lui ai pas demandé que, donc c'est toi, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Je n'ai pas demandé que, donc c'est toi, tel faux profil. Non, je n'ai rien dit. Parce que j'estime que c'est son truc. Si elle me dit ce n'est plus faux profil, quand tu trahis ton faux profil, ça veut dire que tu n'es plus faux profil. Je dis qu'elle a pris son téléphone, je ne sais pas ce que je lui demandais. Elle a dit qu'attends, je me mets sur mon compte. C'est là où j'ai vu le nom d'un faux profil que je vois souvent sur Facebook. Mais je ne lui ai pas demandé que, ah, c'est toi tel faux profil. Pourquoi? Je n'ai rien dit. J'ai laissé la continuer à me coiffer. Elle était en train de me faire le... Quand on était en Belgique la dernière fois au restaurant. Voilà le restaurant. J'ai même fait les photos avec cette fille.
et tout et tout. Mais elle ne sait pas que j'ai vu le nom de son faux profil. Et je vois le faux profil là, ça me défend beaucoup, mais ça m'insulte pas, ça me critique aussi. Vous comprenez, non? Même quand on était en Belgique, j'ai vu le faux profil là commenter, le direct. On était assis au restaurant comme ça. J'ai vu le faux profil écrit « Arrange ton habit » ou bien que « Ma faux, waouh, tu es très belle ce soir. Arrange ou bien c'est ton habit. Oh. » Je voyais bien, j'ai remarqué particulièrement ce faux profil, mais je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai pas fait savoir que oui, donc c'est toi tel. Non, pourquoi? Je n'ai pas besoin de ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent un faux profil. J'ai tellement... Qu'est-ce qui prouve même que c'est vrai? En dehors de quelqu'un que j'ai vu comme celle-là. Une personne comme Erronews. Erronews, si elle t'attrape, Guillaume, je vais te gifler. C'est-à-dire que je vais... Comme tu es grande de taille, comme tu fais... Peut-être les gens... Comme tu fais 3 mètres là, je vais te racler. Tu vas fermer ta bouche là. Tu vas devenir comme l'autre traître qui était passé là-bas en face là. Tu vas devenir toi, Erronews, là. Il faut que tu arrêtes. Tu vas devenir comme l'autre traître là qui pleurait ici. Oui, ma fou, ma fou. Après, du jour au lendemain, elle est partie là-bas, elle a créé même la page. Quand je vois quelqu'un partager la page de cette traîtresse là, je bloque la personne. Je bloque. Vous comprenez? Je dis, il y a plein d'abeilles qui sont bloquées comme ça. Parce que, hein, je vous dis une chose. Je suis votre patron, je suis le gourou. Je suis votre gourou, vous n'avez pas le droit de me critiquer publiquement. Quand vous restez que vous ne pouvez plus commenter sur la team, sachez que je vous ai bloqué. Mais il y a les gens que je bloque par erreur. Il y a aussi les gens que je bloque exprès. Ils envoient les longs, longs messages, le long, long français. Hein? Guillaume, avec tes minces pieds, donc quand il va t'attraper, je vais te donner. Donc, il faut que tu arrêtes. Avec les... les clans là même, c'est quoi? Il y a l'autre qui est venu, Flora White. Ou c'est les Mboma. Il t'avait dit que dans la team PDG, il n'y a pas une autre team. Il n'y a pas une team qu'on appelle les Mboma ici. Je te l'ai dit. Ça fait très longtemps que je t'en parle. Que je te dis, il n'y a pas une team qu'on appelle les Mboma ici. Il n'y a pas la team dans la team. Si vous voulez créer votre team des Mboma, vous sortez de la team PDGIS. J'espère que... Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Dis Queen, toi la vieille chouette là, le vieux chouette au noyau attaché, avec Baleki là, vous ne pouvez pas rester tranquille comme les nanadab. Hein? Vous ne pouvez pas rester tranquille comme les Mboma d'Angers. Hein? Vous commencez à prendre l'eau du Misunga pour verser sur la team PDG, non? Guillaume, arrête de dire que tu es...